Khloé Kardashian est une maman comblée. Le 12 avril 2018, elle a donné naissance à Trou, une petite fille maintenant âgée de 3 ans. En couverture du magazine Gritty Pretty ce lundi 15 mars, l'interview de la jeune femme a été dévoilée. Dans celle-ci, elle s'est confiée sur l'éducation de sa fille. Si est-il toujours un défi d'élever des enfants, mais j'ai la chance d'avoir une famille forte pour me soutenir, dit-elle d'abord avant d'ajouter, mais nous savons aussi que chacune de nos familles est unique et nous n'aimons pas donner des conseils à moins qu'ils ne soient sollicités. Nous ne faisons jamais du mom shaming. Nous détestons ceux qui le font. Elle revient également sur son quotidien en avouant prendre un maximum de temps pour s'occuper de Trou. Mes journées peuvent être très remplies avec des réunions, donc je fais en sorte que Trou et moi passions du temps de qualité ensemble le matin et nous dînons toujours ensemble le soir avant de faire son rituel du coucher. Toutes deux très proches, elle confie, la partie la plus enrichissante de la maternité est de regarder Trou grandir, devenir une personne, entendre sa voix et la voir l'utiliser de plus en plus. Il semblerait que Trou fasse le bonheur de Khloé Kardashian. Khloé Kardashian fait partie d'une famille très grande dans laquelle il y a beaucoup d'enfants. Ainsi, elle n'hésite pas à affirmer que parfois, il est très difficile de ne pas faire de comparaison. Trou a deux cousins qui sont nés à seulement 3 mois d'écart. Et donc parfois, je vois l'un d'eux et je me dis mais Chicago ou Stormy a fait ça, confie-t-elle avant de préciser, nous avons des enfants différents, d'âges différents qui apprennent différemment. Je dois me le rappeler. Très fière de sa fille, elle ajoute, je veux que Trou s'aime et reste fidèle à ses valeurs et à ses convictions. J'ai hâte de la voir grandir. Et concernant un second enfant, dans une interview accordée à Sarah Hyland pour une émission d'Ellen DeGeneres le 10 mars dernier, Khloé Kardashian a fait quelques confidences, nous avons réalisé que mes ovules n'étaient pas assez forts pour être congelés. Ils doivent être mélangés immédiatement avec du sperme pour faire des embryons, dit-elle avant d'ajouter, mon plan c'était d'avoir des enfants avec peu d'écart d'âge. Mais avec le Covid et tout, ça a été un peu retardé. Je veux vraiment plus d'enfants. J'ai tellement de frères et sœurs. Trou aura-t-elle prochainement un frère ou une sœur ? Tristan Thompson et Khloé Kardashian, l'amour fou à nouveau ? Alors qu'elle a été longtemps brouillée avec Tristan Thompson, le père de sa fille, Khloé Kardashian semble prête à repartir à zéro avec lui. En effet, la jeune femme ne cesse d'enchaîner les déclarations d'amour sur son compte Instagram, « Merci de m'avoir montré tout ce que tu as dit que tu ferais. Pour le père que tu es. Pour le meilleur ami que j'ai en toi. Je suis reconnaissante de ne pouvoir absolument rien faire avec toi et que cela ressemble à tous. J'espère que tu sais aujourd'hui et tous les jours à quel point tu es aimé par moi et tant d'autres », a-t-elle récemment écrit. De plus, la maman de Trou s'est affichée avec une imposante bague, qui ressemble à un bijou de fiançailles sur la couverture du magazine. Serait-ce un moyen de confirmer que tout va bien pour eux ?